Je suis pas adapté, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Flirlink. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc comment faire une intro sous Android. Donc c'est très simple, vous avez besoin de ces trois applications là. Donc Video Show, il se trouve sur le Play Store, TubeMate et Aptoid. Aptoid, c'est pour avoir TubeMate. Donc Aptoid, c'est dans une précédente vidéo que je vous l'ai expliqué. Donc c'est dans comment avoir Minecraft gratuitement. Voilà. Donc la première des choses, c'est d'aller sur Aptoid. Donc vous marquez TubeMate. Voilà. Et vous prenez le TubeMate, le deuxième là. Oui, celui que je tiens. Prenez celui-là. Et vous installez. Voilà. C'est déjà installé pour moi. Donc, après, vous allez sur TubeMate. Vous allez arriver comme ça. Et vous marquez intro sans texte. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les intros. Vous cherchez l'intro que vous voulez. Et moi, ce que je vous conseille, c'est pas de prendre des intros top 5. Parce que là, on peut pas. Là, j'ai pas trouvé comment faire pour aller dans la description. Donc, à moins que découper, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Par exemple, je vais prendre celle-là. Voilà. Voilà. Bon. Vous faites la flèche. Ah. Vous faites la flèche en haut à droite. En vert, celle que je viens d'appuyer là. Hop. Vous cliquez dessus et vous prenez en MP4 et vous prenez la meilleure qualité que vous pouvez. Ça veut dire par exemple là en 1080 120p. Voilà, sélectionné, et après vous faites en bas à gauche télécharger. Après ça va télécharger. Voilà. Après, ça va être marqué terminé storage. Voilà. Donc, après, pour vérifier, vous allez dans galerie. Voilà. Et vous cherchez votre intro. Donc, elle est là. Voilà. Pour vérifier que ça marche, je vais la lancer. Vous voyez, ça marche. Donc après, vous allez sur Video Show qui s'installe sur Play Store, tout simplement en marquant Video Show. Je vais vous montrer Video Show et vous prenez le premier, la Video Show Movie Maker et Editor. Voilà. Après, si vous êtes plus à l'aise avec plus, si vous voulez du découpage, c'est faut prendre Viva Vidéo. Donc voilà. Donc après, vous allez dessus. Voilà. Et vous faites modifier édition de vidéo. Et après, vous prenez votre vidéo. Donc c'est là. 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 Vous faites commencer.
Voilà, par exemple, si vous voulez mettre là votre nom, bon, moi c'est pas, j'ai pas pris un bon truc pour mettre des choses, mais c'est pas grave. Vous faites sous-titres et là vous choisissez le moment où vous voulez mettre. Donc, par exemple, si vous voulez mettre là par exemple, faites plus, vous marquez par exemple. Votre nom de chaîne, ce que vous voulez. Là, je vais marquer test. Et là, vous pouvez. Là, vous mettez. Si vous voulez changer, bien sûr, vous mettez paramètres légende. Vous mettez couleur, écriture, par exemple, comme ça. Et si vous voulez mettre pendant un certain moment, voilà. Après vous acceptez. Et là vous êtes en lecture. Donc voilà. Donc après quand vous avez fait ça, quand vous avez tout réglé ce que vous voulez et tout, vous faites le genre de V en haut à droite. Voilà. Et après, vous faites. Je vais faire le carré et la flèche qui sort du carré. En haut à droite, encore au même endroit. Voilà. Et vous faites enregistrer dans Galerie. Bon, moi je. Et vous aurez. Si vous voulez avoir de la bonne qualité, ce que je vous conseille. Donc ça va prendre du temps. Et ça va faire une meilleure image de vous. Vous enregistrez en mode HD. Voilà. Donc, voilà, c'est fini. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à partager cette vidéo. Bon, à la prochaine!